Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau camion, le camion laboratoire d'acide. Attends, je vais recommencer, c'est mieux. Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau camion. attention, laboratoire d'acide, et oui, parce que vous pouvez vous gagner, enfin gagner de l'argent avec ce camion, vous faire des sous et tout simplement monter un peu vos sous. Alors c'est gratuit, donc c'est pas, enfin c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Vous allez débloquer gratuitement. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, on a avec pas mal de monde. Bonsoir tout le monde. Donc, hello, bonsoir. Oui, oui, oui. On est actuellement ici au Freak Shop. Freak Shop, ok. Donc, comment vous débloquez ce camion? Alors, c'est assez simple. Déjà, il faut faire toutes les missions. Donc, en fait, quand vous arrivez dans le jeu, vous faites les 6 missions. Donc, il y a 6 missions. Pour ceux qui n'ont pas vu les 6 missions, vous allez sur la chaîne de la salle, vous avez les 6 missions. Une fois que vous avez fait les 6 missions, eh bien, vous allez voir, enfin, en gros, la dernière mission, vous allez voler le camion. Donc, le fameux camion, c'est celui-ci. Une fois que vous avez volé ce fameux camion, eh bien, vous allez avoir des petits points comme ça. Vous voyez, comme ça, sur la map, il y en aura 3. Il y aura 3 laboratoires d'acide sur la map. Il y en a un ici et un vers là, il me semble. Et une fois que vous allez dans ce laboratoire d'acide, vous volez les matières premières. Vous allez livrer le camion ici. Et une fois que vous aurez tout simplement livré le camion, il faudra parler à votre nouveau poteau. Voilà, c'est lui. Il s'appelle Toupoutup, un truc comme ça. Vous allez lui demander tout simplement de débloquer l'acide. En gros, c'est 750 000 pour pouvoir installer le laboratoire dans le camion. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je ne vous ai pas montré, mais je l'ai déjà fait. Mais une fois que vous l'avez débloqué, eh ben, on peut le custom. Donc c'est parti, on va custom. Alors, appeler. Donc, ouais, donc c'est pour améliorer le matériel une fois que vous aurez en fait produit pas mal de choses. Donc on a déjà pas mal de choses. Alors bon, il y a déjà la protection lourde, mine de proximité, on peut les mettre. Je ne trouve pas ça utile, mais bon, on va pas gaspiller d'argent pour rien. Alors on a le bélier, ah ouais, bélier renforcé, magnifique. Grande pelle, blindage c'est bon, ouais, blindage à fond, amélioration du labo d'acide c'est bon. Frein de course, moteur à niveau 4, klaxon on s'en fout, éclairage. Phare xénon, kit néon, support néon. Bon, pour la couleur, on verra après. Alors, les motifs, qu'est-ce qu'on a? Donc, de base, vous, le camion, il est comme ça. Hein, Human Slab, quand vous le volez. Oh, il y a Atlas. Ah, c'est pas mal, Atlas. Avec la terre et tout. Honnêtement, je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre comme ça. Hein. C'est comme ça, les gars. Human Slab, c'est pas mal. Donc ça c'est la moto, ensuite motif c'est bon, plaque, on va mettre celle-là. Peinture, on peut le modifier la peinture. Ah ouais. On met quelle couleur les gars? En blanc, on reste en jaune hein, je pense hein. Un canon comme ça d'acide jaune. Ouais, stylé quoi. T'aurais du vert moi. En jaune ça donne quoi en jaune? Attendez, je vais vous dire ça. Ou blanc. En jaune pas mal hein. Allez, on va mettre jaune. Par contre, je pense que la... Ouais, rouge. En rouge, oh, rouge. Mais rouge. Attendez, on va remettre la couleur principale. Rouge, t'as dit? Non. En bas rouge et en haut jaune. Ah, en bas. Ouais. Ouais, donc le rouge, c'est vers le haut. Non, pas lui. Non. Non. C'est lequel le rouge le plus flash? C'est celui-là. En mat. Ouais, lui, pas mal. Hein. Ah bon, on l'habille vraiment épave. Alors, cool. Non, en mode cirque plein d'air, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Par contre, le motif, je pense le modifier. Ah ouais. Ah ouais, le truc en blanc, pas mal. Hein. Petite lignée blanche. Ouais, petite lignée blanche. On va mettre ça, les gars. Oh, il y a le monde. On domine le monde, on domine le monde, les gars. Le world. Alors ensuite, on était là, peinture, suspension. On fait l'intérieur. Turbo. Ah ouais, je sais pas qu'on pouvait rentrer dedans. Type de roue haut de gamme. Bon, les roues, on va laisser celle-ci, j'aime bien. Pneu. L'épreuve des balles, ça avait été déjà. Et la fumée en jaune. Ok. Vitre, c'est bon. Et bien voilà, j'ai fini de custom. Maintenant, on va tout simplement. Alors, on a quoi d'autre ici? Il nous propose quoi d'autre, lui? À part custom, là. Ouais, il y a la moto de livraison aussi. Il y a une moto qu'on nous offre. Ok. Alors maintenant, je vais rentrer dans le labo. Parce que c'est vrai qu'il y a un labo à l'intérieur, apparemment. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Hein. Je n'ai pas
Enfin, je ne suis pas encore entré dedans. Entrer avec les amis. Allez, hop, je suis entré avec vous, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? What are you doing? Ah oui, c'est serré, hein. C'est pas énorme, hein. Labo, la mâche, il y a la mâche, pas mal. Ah ouais. Attends, moi j'ai une cinématique, pas vous? Et Bokir, il y a la mâche. Ouais, tu le sais, hein. Je le sais, hein. Héros et détail là. Ah, dépêche-toi avant que je te... Hein. Ah ouais, c'est abusé. Donc Je voici suis votre pas arbre là. d'acide, d'ici vous pouvez approvisionner en matières Tiesta, premières tu me fabriquées et chappes vendre de à la ville. travers. Tu veux qu'on se bagarre? pas mal. Matichina, regarde en bas. Mais t'es pas dedans une là. Non, moi j'ai les cinématiques. Ah, ok. Bah nous on est dedans. Et on peut dire qu'il y a les ouvriers qui bossent pour toi, quoi. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. Et un ventilo là, c'est à chaud. Une fois vers que la 6 sera sonnée, bon, ok. La vitesse peut être assurée sur cette table, ok. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors ça, c'est pour accélérer la production. Ah ouais, c'est What the stylé. fuck? Oh, c'est Qu'est-ce qu'il fait? stylé. Je sais pas ce qu'il fait. J'y mets un truc, apparemment, c'est censé améliorer. C'est petit quand même, hein. Inscrivons en tant que PDG. Alors, attendez. Ah, on peut pas. Ok. Donc, en gros, c'est simple. Ici, vous avez votre, votre stock, ok, en matière première. Après, ça se transforme en marchandises pour effectuer les ventes. Mais vous pouvez tout simplement augmenter votre production ici. Donc là, c'est plus dispo, mais c'est une fois par jour. Ouais, ok. C'est pas mal en vrai, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Pour par la mute, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends. Il était dehors lui. Il est rentré, t'as pas remarqué? Ah, il est rentré. Je peux lui parler. Non, je peux lui parler. Travaille. Je crois qu'il veut pas discuter, hein. Il bosse, ouais, Mais il bosse. t'inquiète. Ok. Hop, Ok, hop, donc statut voilà à quoi pour ressemble le camion d'acide. Si jamais vous voulez le quitter, vous voulez le faire. Donc c'est comme ça que ça marche. Et en gros, voilà, vous vous approvisionnez en matière première en tant que labo. Si jamais vous voulez savoir comment ça rapporte, vous me dites et puis je ferai une vidéo pour voir un peu combien ce camion peut rapporter. Voilà.